de bombe jusqu'au mariage. Et son père a donné l'audience d'autorisation qu'on l'islamise. Et garde maintenant le nom de l'Afrique centrale en même temps. Il est venu insérer pour la burqa, le port de la burqa. Quand les fidèles vont se disperser, il y a certains gens qu'on va les retenir. Au fil du temps, avec la venue des différents prophètes, Dieu a toujours prescrit. Voici donc la burqa en question qui fait problème. Derrière laquelle les terroristes... Je parle vraiment en tant que parent, en tant qu'éducatrice. Je crois que la sensibilisation doit être tous azimuts. Dans nos écoles, il faudrait déjà que les enseignants puissent sensibiliser, puissent donner des conseils aux élèves, aux jeunes filles, dans les mosquées, dans les écoles coraniques et même en famille. Quand je vois certains gens prendre la burqa, c'est fermer la face, c'est pas religieux, c'est pas islamique. Les femmes chiites n'ont pas cette habitude parce qu'ils apprennent ça d'eux-mêmes dès le bas âge. Aucune femme chiite de la communauté chiite ne fait ça, ne fait pas ça. C'est pas religieux. L'interdiction faite par le préfet nous est réjouie pour mettre les choses en ordre. Parce que c'est pour notre sécurité. C'était comme... Le préfet qui a pris une décision par rapport au voile intégral, c'est-à-dire le voile avec le niqab. Ce n'est pas une décision contre ce voile-ci que je porte. Et je suis tout à fait d'accord que l'on interdise le niqab. Parce que gérer les gens, c'est d'abord prévoir. Il faut prévoir de tels actes. Et nous sommes un pays, en ce moment, nous sommes un pays en guerre. Et beaucoup de gens se servent de l'islam, se servent des habillements de certaines tribus que l'on a mis sur le dos de l'islam pour faire passer tous leurs mauvais actes. Je suis absolument contre cela.